J'ai plusieurs pôles, on va dire, de documentation. Comme je fais aussi des maquettes d'avions, du coup j'ai une grosse documentation, parce que c'est là, bon, là c'est les furieux, donc c'est vraiment les spécialistes, donc là j'ai un monde de passionnés et de gens qui vont trouver le détail qui tue. Je m'entoure des gens, parce que je peux pas faire passer ma vie dans les bibliothèques, donc je m'entoure des gens qui sont spécialistes d'un truc. Donc on est avec Christian qui s'occupe du hall maquette musée de l'air, qui vient d'ouvrir. Il est ouvert il y a longtemps. Oh, il y a oui, un mois. Il y a un mois, ouais, c'est tout chose comme ça, oui. Et en fait, le musée a vraiment des trésors. Et donc, parmi toutes les époques et toutes les nationalités d'avions, il y a des très belles maquettes. Bon, là, on s'est arrêté sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Donc, par chance, il y a vraiment un avion qui colle parfaitement à la BD Le Grand-Duc. Alors c'est pas un Grand-Duc, c'est pas un Enkel 219, mais c'est, on va dire, c'est son frère, c'est le Junkers 88. En fait, cet avion, il était très représentatif de ce qu'est un chasseur de nuit, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments comme il y a le radar. Le radar, effectivement, les cache-flammes pour éviter qu'ils puissent se faire repérer quand ils étaient en mission, évidemment. Ah, le camouflage aussi, enfin, il y a tout un tas d'éléments qui sont bien spécifiques à la chasse de nuit. À la base, c'est un bombardier. Ce qui est intéressant, l'autre petite anecdote, c'est que pour la recherche, pour le camouflage, on voit qu'ils ont des camouflages très spécifiques. Au début, les pilotes peignaient les avions en noir, parce qu'ils disaient dans la nuit, c'est ce qui se verra le moins. Et en fait, au contraire, dans la nuit, quand il y avait des combats au-dessus des villes, bah, c'était très lumineux au contraire. Et il y avait des énormes projecteurs de recherche, c'est des énormes projecteurs qui essayaient de trouver les avions dans l'obscurité. Et quand les avions étaient accrochés par ces projecteurs, eh ben, il y avait vraiment une croix noire au milieu du ciel et ils étaient repérables. Alors que quand c'était pas en blanc, en fait, ils étaient beaucoup plus discrets. En fait, ce qui est un peu rageant dans cette vitrine, c'est qu'il y a tellement de types d'avions différents que ça donne envie de faire plein de BD. En fait, c'est vraiment cet avion-là qui nous a donné envie de faire cette série, parce que c'est un avion qui était très novateur. En 1944, c'était vraiment une bête de course. Il était vraiment, c'est un des premiers avions vraiment fait pour sa mission, c'est-à-dire qu'il n'était pas fait pour la chasse de jour, il était entièrement construit pour la chasse de nuit. On voit les deux petits orifices là, ils avaient monté ce qu'on appelle la Schrag Music, qui étaient deux canons de 30 en oblique qui tiraient vers le haut comme ça. Et en fait, ils passaient sous les formations de bombardiers anglais, parce que ça se passait, les Anglais bombardaient la nuit. Et dessous, c'était couplé avec le radar et ça tirait dans le ventre des bombardiers qui faisaient pas long feu. Ouais. Et les pilotes anglais ne savaient pas ce qui se passait, parce qu'ils voyaient passer tel angle mort en fait. C'est comme en voiture, un angle mort, les mecs ils explosaient d'un seul coup et on savait pas d'où ça venait. Et c'était les gars qui arrivaient derrière et qui tiraient un petit peu dans le talon d'Achille des bombardiers. Donc il était pressurisé, c'est un avion qui était extrêmement coûteux à fabriquer. Il y en a eu peu. Il y en a eu peu parce que c'était vraiment la fin de la guerre et on voit, il était quand même énorme. Voilà, on voit un personnage à côté, c'est grand comme ça, hein, donc il était très gros pour juste deux personnes. Mais la première mission en fait opérationnelle, le gars a battu 5 bombardiers d'un coup.